Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus de notre chère République démocratique du Congo. Je vais d'abord remercier tout ce beau monde qui s'abonne, qui continue à s'abonner. Vous êtes une dizaine qui vous êtes finalement décidé de nous joindre et puis de nous suivre régulièrement. N'oubliez pas de clocher sur la petite cloche là-bas parce que cela vous permettra d'être averti lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus pour tous ceux qui sont en train de nous appeler, pour nous suggérer, pour nous poser des questions, pour nous donner de la matière aussi. Vous êtes vraiment nombreux, d'habitude dans notre émission, nous nous sommes dit, nous n'allons pas citer les noms des gens ou quoi que ce soit. Vous êtes nombreux à me poser la question, pourquoi est-ce que je ne salue pas les gens? Non, nous sommes en train d'analyser les solutions de la République démocratique du Congo. Tout ce qui nous concerne, ce n'est pas nous, mais c'est plutôt... les solutions que nous portons sur la table, les solutions que nous amenons sur la table pour la reconstruction, pour l'avancement de notre pays. Ce n'est pas les noms, nous ne sommes pas ici pour faire notre publicité ou quoi que ce soit, mais la publicité que nous faisons, ce sont les résolutions, les solutions que nous mettons à la disposition des décideurs qui peuvent nous faire diriger de notre pays autrement, ou bien les solutions que nous mettons sur table, qui peuvent aider aussi à ceux qui sont en train de nous guider, ou bien de nous administrer, ou qui sont en charge de notre pays, d'appliquer pour que le pays puisse sortir de ce marasme dans lequel nous sommes. Donc, vraiment, excusez-moi, je ne ferai pas cette rhétorique de citer les noms des gens, tout ça, parce que je vis beaucoup de questions, revenir encore beaucoup plus, c'est comme cela que je me suis dit, aujourd'hui je vais vous en parler de ça. Mais aujourd'hui nous allons parler de quoi exactement sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la solution que nous prenons toujours ici, mais le cheminement, comment est-ce que nous envisageons cette solution, comment est-ce qu'elle peut être appliquée? Ici, nous sommes en train de parler de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base qui constituera une solution globale à notre chère République démocratique du Congo. Lorsque le peuple à la base pourra prendre sa solution en main, prendre les choses en main, que Étienne Tshisekedi avait dit, le peuple, quand le peuple doit se prendre en charge, et tous les dirigeants feront de peuple d'abord. C'est ça, je crois, que nous devons avoir en tête lorsque nous prenons ou bien nous voulons aller diriger notre pays. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ça. Et puis, nous allons examiner d'autres solutions qui découlera. Tout ça, toujours pour expliciter le projet de 145 territoires, selon notre compréhension et selon notre... appréhension, comment nous l'avons conçu, pas ce qui se passe à Kinshasa, mais selon notre appréhension, donc notre conception, comment nous l'avons conçu pour qu'elle soit bien appliquée, afin que le pouvoir puisse être rétrocédé à la base. Voilà le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, et j'espère que nous allons passer de bons moments. Et si vous avez des questions, continuez toujours à nous les poser. Continuez toujours à nous envoyer vos suggestions, parce que vos suggestions aussi orientent ce que nous faisons ici. Nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après avec le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-note.com. Kasaï Oriental, le gouvernement Kabeya au complet. Et puis Beni, la version de l'armée sur la situation confise à Boulongo. RDC, l'activiste Carbone Beni opte pour la formation d'un nouveau type de leader transformationnel pour le Congo nouveau. On va sur actualité.cd. Ici, nous avons...
Congo central, Guy Mbadou dévoile les 5 axes de son programme à l'Assemblée provinciale investit le nouveau gouvernement. Kasaï central, un nouveau président élu à la tête de l'Assemblée provinciale. On va sur Congo profond, développement du secteur pharmaceutique en Afrique, le BAD prête main forte à la Fondation africaine pour la technologie. Et puis, Nord Kivu, tué par la police rwandaise, le sergent Kingombe conduit en héros à sa dernière demeure. On va sur 7 sur 7. L'agression de la RDC, Tshisekedi s'oppose à tout acte de discours de haine ou xénophobie et rappelle que le Rwanda a toujours joué à la victimisation. L'économie demeure globalement stable en dépit de la guerre en Ukraine, dit la gouverneure de la Banque centrale. On va sur Radio Okapi pour terminer. Tanganyika, l'OIM recense près de 30 000 déplacés internes en 3 ans. La réplique de Lumumba accueillie au Palais du Peuple, c'était hier le 27. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, d'abord, merci pour tous ceux qui m'ont suivi le samedi passé sur Facebook dans notre émission live. Nous vous avions lu, et je vais relire encore ces articles 213, donc le titre 4 de notre Constitution, des articles qui va de l'article 213 à 217. Il y a quatre articles. Nous nous sommes dit, nous allons vous lire ces articles et vous allez comprendre. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est pour cela que nous vous demandons de toujours vous abonner parce que nos émissions se succèdent, nos sujets... C'est comme un livre que nous sommes en train de lire auprès de vous. Donc, si vous venez pour la première fois, abonnez-vous. Comme ça, vous allez comprendre effectivement là où nous sommes en train de partir. Donc, ces quatre articles ici, nous en parlerons aussi encore une fois de plus le samedi. Je crois que nous n'aurons pas le... nous pourrons avoir la session du samedi. Sinon, nous allons parler ça dans la prochaine session. C'est pour cela que je vous dis... Nous lisons d'abord ces articles et nous voyons ce qui se passe effectivement dans l'actualité dans notre pays quoi. Voilà, c'est le titre 4 des traités et accords internationaux. Article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Comprenez bien, il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement... Ils traitent ça, ils vont ça avec au Conseil des ministres. Article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs aux organisations internationales et réglementations de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, de ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nul cession, nul échange, nul adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum. Nous sommes entrés dans la communauté de l'Afrique, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons sollicité l'entrée dans le pays de la SADC. Est-ce que ces articles ont été acceptés ou bien ont été traités selon la Constitution ? À vous la réponse. Article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi, soit réservée pour chaque traité ou accord de son application par d'autres parties.
Donc, si le président va faire, va ratifier des accords, c'est-à-dire que ces gens-là ont le dessus. Vous allez comprendre pourquoi le Kenya a été au-dessus en disant, par exemple, que non, nous allons intervenir, nous allons envoyer les forces sur notre territoire. Donc, je suis en train justement de donner ma petite compréhension. Et vous allez voir où nous allons. Article 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accords internationaux comporte une dose contraire à la Constitution, la ratification de l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Donc, ce qui président s'est signé, et si député ou bien ba sénateur, un dixième na bango, il faut modifier la constitution parce que selon la constitution, Vous avez des conséquences. Alors, Yasuka, article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés importantes en adoption partielle, en abandonnant partielle. En abandonnant partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. On a des articles oyo botika la ko réfléchir nango tango to ya ko banda ko lobasko yo makambo ebele sur ces quatre articles ici sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui? Parce que je suis en train d'entendre eloko moko bwana ko yebisa kabino ango lorsque le temps viendra. Mais, allez-y lire ces articles et vous comprendrez. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la solution que peut faire Félix Tshisekedi pour essayer un peu de terminer cette histoire de guerre et tout ça. Bandeko, il y a beaucoup d'amis qui se disent que non, tu vas koloba que non, mabe outi wapi, mabe outi, n'est pas bapaya, ce sont les Européens qui sont en train de nous mettre le bâton dans les roues. Beaucoup d'autres personnes expliquent même que non, nous sommes combattus de l'extérieur et tout ça. Tout ça, on est en train. Et puis moi, je me plains, je me dis. Est-ce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent continuer à se plaindre? Ou bien ils doivent chercher les solutions? Tout ce qui nous a mis dans ce pétrin est connu. Biloko nyo soza koni toyebi yango. Mais ce qui toza koya si kona bokonzi, qu'est-ce que nous apportons? Tu n'allais ta solution gani juyayi, bitu bienye tu kwa mon Congo. Solution iko wapi, c'est ça le problème. Problème iko aiko kusema sema a tujue. Nous connaissons la force du Rwanda, nous connaissons tout ce qui se. Quelle est la solution que nous apportons? Malheureusement, le président actuel est venu. Babilo konyo soazo linga atia nakati ezako simbate. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Toutes ces solutions-là, c'est du côté de l'état de droit, du côté de ce pas, Chile, tous les projets, tout est. Et là, nous continuons à penser que les élections, c'est ça qui nous donnera la solution. Est-ce que ce sont les élections que nous organiserons en 2023 qui apportera la solution afin que les Congolais puissent se mettre d'accord? Vous allez entendre les gens se dire que non, il faut que tout le monde se mobilise derrière le président de la République pour que Tolonga Bitumba o. Entre-temps, le président de la République, il n'est pas d'accord avec ce que le peuple pense. Batouazo kende na babalabala, tout ça, vous avez suivi, je crois, réaction. Comment est-ce que j'ai expliqué ça? Que les gens sont en train de passer leur temps inutilement en disant que nous devons aller à la guerre pendant que Félix sait dans quel panier il est. Il ne peut pas aller en guerre. Et il a dit, vous aviez suivi encore, il martèle encore que la solution de la paix, des négociations, disons, que c'est ça la solution qui est
approprié pour l'instant. On ne peut pas aller en guerre. Entre-temps, il y a une fougue. Les gens se disent qu'on doit terminer une fois de plus. Il ne veut pas rompre les relations avec le Rwanda. Qu'est-ce qui l'empêche? Allez lire ce que je vous avais lu, ces articles-là. Vous comprendrez pourquoi. Et nous avions dit ça déjà dans le passé en disant que pardon Félix Tobandela Makambo à zéro. Alors, pour ne pas vraiment perdre le temps, parce que aussi nous courons toujours derrière le temps, pour vous expliquer notre solution que nous amenons sur la table. La solution que nous amenons sur la table, c'est de la rétrocession d'abord du pouvoir au niveau de la base. Avant d'arriver là-bas, nous devons savoir que personne ne peut nous empêcher de nous développer nous-mêmes. Personne ne peut nous empêcher de nous libérer de tous les craquants qui nous tiennent à ce que nous ne puissions pas être développés. C'est à nous, quoi, par contre, c'est à nous. Personne ne viendra nous aider. Les armées étrangères ne viendront jamais nous aider. La MONUSCO est là depuis 20 ans. Ça ne nous a jamais aidé en aucune chose. Nous continuons toujours à nous embrouiller dans les situations. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une certaine cohésion nationale. Nous ne savons pas quoi faire de notre pays. Nous n'avons pas encore atteint cette maturité. Disons, nous avons la maturité, mais nous n'avons pas encore trouvé des solutions pour que nous puissions sortir na boumbo tokota na yango. Nous sommes encore des esclaves et nous sommes encore des aliénés. Alors, comment y sortir? C'est ça l'objet même de notre émission. Moi, je suis contre de ceux qui sont en train de dire que non, les États-Unis sont en train de nous combattre, ce sont les Européens qui nous envient, tout ça. Non! Ici, moi, j'ai dit la raison, c'est que nous ne nous sommes jamais retrouvés. Nous ne nous connaissons pas, nous ne voulons pas nous connaître, nous ne voulons pas travailler. Le Congolais ne veut pas travailler. Le Congolais pense que tout viendra d'ailleurs, du petit peuple jusque même aux intellectuels qui gèrent le pays. Nous avons été induits dans un système qui nous a fait des esclaves. Et nous devons nous libérer de ça. Comment allons-nous nous libérer? C'est ça que j'ai dit. La solution pour l'instant, pour le moment, est de rétrocéder le pouvoir à la base. Vous aviez vu les chefs coutumiers dans la rue. Vous aviez vu tout le monde se dit, mais où est-ce que nous allons? Est-ce que c'est le Belge qui continue à nous endoctriner, à nous endormir dans cette situation dans laquelle nous sommes? C'est l'Américain, est-ce que c'est l'Anglais qui continue à voler nos minéraux comme on nous dit? Nous vendons nous-mêmes notre pays. Nous devons nous mettre d'accord que le système dans lequel nous avons été mis donc, n'aboutira jamais à nous développer. La Chine, les Malaisie, et tous les Singapour, tous ces États-là du Moyen-Orient ont compris une chose, le Japon, que avant de faire toutes les choses, nous devons prendre conscience de nous-mêmes que qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous avons pour que nous puissions développer notre pays?
Nous ne continuerons jamais à continuer à aller acheter les histoires des autres. Si nous allons acheter le véhicule ailleurs et que les matières premières viennent de chez nous, nous serons toujours esclaves. Nous devons, par exemple, avec nos matières premières, nous imposer. Et comment nous allons nous imposer? C'est cela que nous sommes dit. Nous devons avoir cette conscience de revenir à nous-mêmes en se disant « la solution doit être trouvée ici ». Les gens disent que non, il faut dénoncer les États-Unis. Ça va servir à quoi? Pendant combien de temps nous avions dénoncé les États-Unis ou bien nous avions dénoncé les morts? Nous devons être forts, nous devons nous organiser en interne. La solution doit venir en interne. Et cette solution venant en interne ne peut pas venir avec ce système dans lequel nous sommes. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la solution qui doit venir de l'interne devra d'abord par proclamer une nouvelle république qui sera la 4e république. Et comment la gestion de cette république sera faite. Et que tout le monde entier puisse comprendre que non, il y a quelque chose qui commence à bouger au Congo. Nous ne serons plus à mesure de leur mettre la main sur eux comme ça. Nous ne serons plus à mesure de les coloniser comme nous sommes en train de le faire. Parce que le Congolais va verrouiller maintenant son pays afin qu'il puisse bénéficier de tout ce qui se trouve dans son pays et que lui-même puisse commencer à travailler. Nous devons regagner la confiance aux autres. Si le Rwanda aujourd'hui est apprécié à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont travaillé. Nous ne devons pas nous voiler la face. Le Rwanda a travaillé à l'interne en se disant « voici comment nous allons nous y prendre ». Ils se sont dit « avec cette histoire de génocide, nous allons pleurer pour que les autres puissent venir ». C'est une méthode, c'est ça leur stratégie. Mais quelle est notre stratégie, nous, Congolais? Et nous disons, nous avions conçu un projet qui était le projet de 145 territoires. Mais comment? Le projet de 145 territoires devrait constituer un projet où les Congolais devaient commencer à réfléchir sur la 4e République en disant que nous allons nous mettre d'accord. Nous allons commencer à mettre les consensus, à prendre les consensus au niveau des territoires avant d'arriver au pays. Nous devons réfléchir comment est-ce que nous pouvons terminer la corruption d'abord au niveau des territoires, comment la gestion des territoires pourrait être faite. C'est comme ça que nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires devrait être une fer de lance où le Congolais devrait avoir une conscience, se rebeller en se disant non. C'est fini, on nous a trop volé, nous devons avoir un nouveau Congo où nous serons à mesure de contrôler nos terres, à mesure que chaque peuple congolais doit être connu. Nous devons savoir ce qui se passe dans nos territoires et être capable de gérer nos terres, être capable de gérer nos richesses, pas nous laisser à la merci des autres. Nous devons savoir dans nos territoires combien nous consommons comme sucre, combien nous consommons comme sel. Et cela doit être au niveau de chaque territoire. C'est ça le système nouveau, un Congo nouveau que nous nous sommes dit. Il faudrait d'abord que le Congolais puisse se mettre d'accord. Aujourd'hui, ça ne sera pas par le discours en disant « mettons-nous derrière le président de la République ». Non, nous devons passer aux actes. Alors, le cheminement, nous nous sommes dit comment? Nous avions dit, dans cette constitution d'aujourd'hui, celui qui peut le faire aujourd'hui, parce que nous osons croire qu'il a le droit, c'est le président de la République. C'est comme ça que nous sommes dit, nous allons supporter Félix à moins qu'il change la mentalité en se disant, mon regard ne sera plus de trouver les solutions ailleurs, mais les solutions devront être trouvées en interne. Et en interne, c'est en favorisant cette dynamique de dialogue où nous allons promouvoir un nouveau Congo. Parce qu'aujourd'hui, même si nous disons que nous allons mettre les IGF, tout ça, ça ne marchera pas parce que la situation dans laquelle nous sommes mérite vraiment un détour de 180 degrés. Nous devons recommencer le tout à zéro. Et recommencer le tout à zéro, ça sera quoi? Maîtriser d'abord ce que nous avons, que les gens se parlent au niveau de la base en se disant, nous allons reconstruire notre pays par une nouvelle constitution que nous ferons, qui reflétera notre situation actuelle.
Et c'est cela que nous nous sommes dit, nous allons lancer le projet de 145 territoires en appelant les états de lieu des 145 territoires. Les 145 territoires devront se mettre, chaque territoire devra se mettre sur une table, 250 à 300 personnes dans chaque territoire qui devront réfléchir sur une nouvelle constitution. Et cela découlera, pendant que nous aurons le processus, nous allons donner ces gens-là à chaque territoire, la possibilité de s'identifier. Et c'est par là la première des choses que nous devons faire. Il faudrait que tout le monde puisse commencer à faire cette identification. Chaque territoire devrait être en mesure de se dire, dans mon territoire, nous avons à peu près 500 ou 1500 personnes. Et ces 1500 personnes, voilà, il y a telle personne, il y a... parce que les gens sont connus. Batoubaye banana ba territoire exacte que batouoto. Le système actuel fait comment? On dit que non, Kinshasa va créer, je sais pas, une agence, je sais pas, d'immigration ou bien quoi que ce soit qui va identifier les gens. Oh, les recensements, la CNI va recenser les gens à partir de... Ça, ce sont des blablabla que qui ne pourront pas marcher. Mais si les gens dans leur territoire peuvent se mettre d'accord en se disant, nous allons nous identifier et que le pouvoir que nous avons ici, c'est notre pouvoir, c'est notre terre, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Et toujours dans le problème lié au gouvernement central. Et c'est ça un processus que nous devons mettre en place en disant, préparons-nous d'abord. C'est comme ça que nous avons dit, si nous pouvons supporter Félix, avec ça fait deux ans déjà que je parle de ça. Que les deux ans qui lui restent, il faudrait qu'il s'applique en se disant, rétrocédons le pouvoir au peuple, en supprimant le Parlement, en supprimant le Sénat, parce que ce sont là les grandes institutions qui vont symboliser, qui vont être comme nous sommes en train de préparer les gens. Au lieu d'aller faire des discussions inutiles au Parlement, qu'ils aillent faire les discussions inutiles dans leur territoire. Afin que les textes qui seront sortis du territoire seront traités au niveau des provinces. Et au niveau des provinces, on va compiler les textes et ces textes-là verront être compilés au niveau national. Et cela découlera maintenant du nouvel Parlement. Toti kanano makambo ba parti politique ou ba banani bo. Non, tozonga na banani na biso na ba etuka na biso ba territoire, tokende kosolo la sur la nationalité, l'identité des Congolais. Sur une nouvelle constitution qui entrera en vigueur en 2024, par exemple, si nous nous disons, quand les élections seront terminées, na katia constitution, selon la nouvelle constitution, parce que tant que toko adopter constitution, yo, toko pesa siko yo ba tuwana o toko zwa partir la territoire ti na ba province nde ba kozala ba ko entrer en fonction au niveau na 2020 donc de na 4 na première 4e république 1er janvier 2024. Ça sera la nouvelle parce que à ce moment-là ce qui to sir si ba masolo nyonso na niveau ya base. Batouba Sololi, on prend des compromis, on se dit, le président, voici tout ce qui se passera. Babylon, qu'on soit qu'on réfléchisse sur une nouvelle constitution dans le nouveau Congo. Na banzi que toko zwan Congo asika batunyo so tuba ko reconnaître babi awa biso tozalaka awa voici batuo bazalaka awa ba carte d'identité na biso yango tout ça. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, l'argent devront être allé d'abord dans ces conférences-là, dans ces états de lieux de conférences de territoire. On octroiera, par exemple, 10 millions de dollars, 10 millions de dollars dans chaque territoire. Bah, chaque territoire, on a obligé. Nous devons leur dire que Mbongo Oyo, voici ce qui se fera dans Mbongo Oyo. Mbongo Oyo, exacte que les autres Européens, ça m'a battu balia, non. L'organisation des conférences, et il faut que tout le monde mise la texte. Il faudrait que les textes puissent être résultats en Mbongo Oyo ezali bon pesa biso maquette ya sika ya constitution auto kozala applicable na 4e république bandeko lelo na suki awa. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Veuillez vous abonner parce que c'est un sujet que nous continuons à expliciter et nous osons croire que ce que nous disons ici peut sauver la république. Nazolo bate ke oyo. Et ça, parole d'évangile, que c'est ce qui doit se faire. Non,
je ne suis pas là comme si il y a à corriger, on peut corriger. Mais sachez que ce projet de 145 territoires, dès que nous l'avions conçu, ce n'était pas moi. Il y a un groupe de gens, il y a beaucoup de gens qui ont déjà cette maquette de ce projet de 145 territoires que je suis en train d'expliciter ici. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.